Kung Fu Shaolin. Shaolin Kung Fu. Que serait le festival des arts martiaux sans les moines de Shaolin qui ont fait leur première apparition ici il y a quelques années. Fameuse histoire du temple de la petite forêt. Ce sont les Shaolin qui se font appeler Black and White. Ça veut dire que, eh ben oui, peut-être que c'est lié Black and White. Oui, parce qu'il y a des blancs et des noirs, on peut imaginer dans le groupe. Tout à fait. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une surprise, effectivement, de voir des étrangers, des non-chinois, dans des troupes de Shaolin, mais c'est devenu une trademark internationale, Shaolin Kung Fu. Et donc, les étrangers viennent du monde entier, ils viennent pratiquer. Regardez, lui aussi n'est pas né dans la province du Fujian ou par là. C'est un garçon qui est venu chercher quelque chose à Shaolin. C'est peut-être ça le but de la démonstration. On démontre les styles, mais on montre aussi l'internationalisation naissante de ce monastère de Shaolin. Voici la boxe du scorpion. Le fameux temple bouddhiste qui était sur le mont Song, dans la province du Henan, qui était fondé bien longtemps, vers le 5e siècle. C'était détruit complètement en 1928. Il a été brûlé par un général, un chef de guerre. Pendant 40 jours, il a brûlé un temple qui était multimillénaire, qui avait été déjà détruit et reconstruit sous la vie. Et là, on peut reconnaître la danse du chien qui a été effectuée par ce combattant. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'homme ivre. Le fameux homme ivre qui consiste, là aussi, c'est une, on pourrait dire, une fantaisie chinoise. C'est une sorte de forme de Tao, d'un personnage ivre dont on ne comprend pas quel va être le prochain coup, en fait, quelle va être la prochaine attitude titubant. Et en fait, on retrouve, on parle encore de MMA, on retrouve chez certains combattants des principes qui sont un peu proches. Ils sont très mobiles, inattendus, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils sont redoutables. Il y a quelque chose de la boxe de l'homme libre chez des combattants comme Anderson Silva, pour ceux qui connaissent. Mais bon, c'est un peu une extrapolation. Alors, combat de la hallebarde contre une pique. Des armes dans les arts martiaux chinois, on peut en trouver beaucoup et très diverses. Il y a à la fois toutes les armes qui sont des armes et tous les objets aussi qui peuvent permettre de combattre, comme un fouet par exemple, et aussi un banc. Il y a des katas avec des bancs ou avec des écritoires. Regardez ce travail d'énergie. Il y avait encore des moines pendant la révolution culturelle jusqu'en 1966 dans les ruines du temple qui avait été détruit en 1928. Et finalement, ce sont les gardes rouges qui ont attaqué en 1966 et qui ont emprisonné tout le monde. Regardez, Emmanuel. C'est impressionnant. Très impressionnant. Travail de contrôle de l'énergie. Sur des pics. Alors, il faut bien gainer le corps. Il y a aussi de la respiration, il y a aussi pas mal de physique chez ce combattant. Le temple a réouvert
officiellement en 1981. Les moines Shaolin. Parce qu'en fait, le monde entier l'a réclamé. Les Chinois, bien sûr, mais le monde entier...